Salut les filles, bienvenue à votre vidéo live du mercredi matin. Aujourd'hui, j'ai plein 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 de créations à vous montrer. Alors, je les ai réunies par jeu d'étampes du mini catalogue janvier à juin. Alors, c'est le mini catalogue qui finit à la fin du mois. Il y a plein de spéciaux jusqu'à 50 de rabais dedans. Alors, je me suis dit que je pourrais vous montrer ce que j'ai créé dans les dernières semaines qui utilise ces spéciaux-là. Parce que c'est le fun de voir le catalogue puis voir des affaires dans le catalogue, mais c'est toujours le fun de voir quoi d'autre on peut créer avec ces mêmes jeux détampes temples. Alors, si vous avez envie de prendre votre mini catalogue avec moi, vous êtes les bienvenus. Venez me dire un petit bonjour, ça l'active Facebook, venez faire un petit thumbs up. Dites-nous de où vous venez, mes enfants vont bien triper. Puis si vous avez profité des spéciaux, bien, ça va vous donner des idées. Alors, je commence à la page 7, le jeu, la boîte pour faire 16 cartes est à moitié prix, fait que vous avez tout, tout, tout ce qu'il vous faut, à part un kit d'étampes de, de vœux, alors ça revient à 20,50, et moi j'ai fait 16 cartes complètement différentes, avec le jeu d'étampes qui est à 20% de rabais, alors c'est pas de jeu d'étampes, de avec des gros vœux dessus, bien, vous pouvez vous procurer ce jeu de tempe-là. En français, il est à 20 de rabais. Vous allez pouvoir faire des cartes avec la trousse qui vient avec, mais vous allez aussi pouvoir faire des cartes sans la trousse. Attendez, il me reste une autre carte ici à vous montrer, mais j'ai fait des cartes sans utiliser la trousse. Juste le jeu de tempe à 20 de rabais. Il est vraiment le fun. Alors, il y a une grosse bubble speech, je dirais. Alors, une grosse bulle de parole. Je me suis fait un papier à motif. J'ai tempé mon vœu. Une carte hyper facile à faire d'anniversaire. Puis ici, une carte de félicitations. Dans le jeu des temples, il y a un chapeau. J'aime ça. Ça fait changement de félicitations pour faire une carte masculine. Je trouvais ça vraiment le fun, vraiment différent. Il y a Tu formidable, Joyeux anniversaire, et Pépé pourra. Merci. Vous avez vraiment un peu de tout dans ce jeu des temples. Juste avant, à la page 6, il y avait une, un kit, je dirais, pour le chalet. Pour débuter si vous avez rien, parce que tout est dedans, vous avez le jeu des tempes, l'encre, le bloc d'acrylique, les papiers pour venir faire des cartes de plusieurs formats différents. Fait il y en a des petites pour un petit merci, un petit cadeau. Puis il y en a des plus grosses. Fait que ça donne ben 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 de la diversité. Puis le jeu des tempes en français, il est le fun. Parce qu'encore là, ça vous fait plein de saisons. ben on fait, plein d'occasions. De, des remerciements, des amitiés, des anniversaires. Fait qu'il est ben le fun. Ce jeu-là, je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec. Page 8 et 9. Pour celle qui était avec moi la journée où je me suis fait arracher une dent, j'avais un live de prévu, mais j'étais incapable, incapable de le faire. J'ai bricolé et j'ai montré mes photos au fur et à mesure. Alors, si vous n'étiez pas là ce soir-là, vous avez manqué cette douzaine de cartes-là que j'ai fait en pleine douleur sous des médicaments antidouleurs très, très forts. Je pensais que ça bloquerait complètement ma créativité, mais non, au contraire, ça Je, ça me changeait les idées quand j'avais mal à ma dent. Alors, c'est fait avec le lot de la page 9 qui est à 25% de rabais. Dans ce lot-là, vous avez le jeu des temples, les découpes, les papiers à motifs, les petites fleurs en feutrine, la ficelle, tout, 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 tout est dedans. En fait, tout ce qui vous manque, c'est de l'encre. Alors tout était là, puis je pense que j'ai juste pris une ou deux couleurs d'encre pour faire toutes toutes, tout mes cartes. Alors c'est hyper facile à faire. Il s'appelle Cactus en fleurs. Oh, en passant à ça ici, ce que vous le voyez, c'est mon code hôtesse pour d'ici la fin juin, Attendez un peu, non, vous ne le voyez pas. Alors celle qui passe une commande entre aujourd'hui puis la fin du mois de juin, si vous commandez pour 60$ en utilisant le code hôtesse, vous allez recevoir euh, 12 projets en tutoriel vidéo. Alors, c'est exclusif uniquement aux gens qui font leurs achats avec moi. Alors, c'est des tutoriels euh, où vous avez vraiment toutes les étapes pour réaliser. Puis, si vous faites un achat de 120, vous allez recevoir un cadeau par la poste. Alors, je vous montre toutes les cartes que j'ai confectionnées avec la même collection. Alors, si vous manquez d'idées, d'inspiration, regardez la diagonale ici. C'est hyper facile à faire. En fait, celles qui sont dans, inscrites dans la semaine de la créativité avant hier, j'ai fait une carte avec la même technique de diagonale comme ça. Alors, vous irez voir dans votre semaine de la créativité dans le groupe Facebook. Le groupe Facebook va être ouvert à vie. Fait que si cette semaine, vous n'avez pas beaucoup de temps pour à consacrer à votre semaine de la créativité, tout va rester sur le groupe Facebook exclusif. Alors, c'est simple, hein? C'est du papier à motif, des étiquettes, les petites fleurs. Je me suis fait une série d'étiquettes avant de commencer. Hein? J'ai tampé mes voeux à l'avance, puis après ça, j'ai juste eu besoin d'assembler mes cartes. C'est vraiment pas compliqué. Regardez ici, là, j'ai la même carte. Petit truc de design. Si vous trouvez votre carte trop à plat, je ne mets pas cette carte-là. Tout ce que j'ai fait de différence entre elle et elle, c'est que je suis venue me rajouter un carton de la même couleur. C'est fou, hein? J'ai la même couleur que la carte, mais juste le fait d'avoir un deuxième cadré, j'ai pris des stampins dimensionnels. Puis j'ai mis des stampines dimensionnels en dessous de mon vœu. Je viens complètement de changer ma carte. Alors, pensez, quand votre carte est trop à plat, mettez-vous soit une couleur différente. Hein, regardez un petit corps d'une couleur différente, mais si ça flash trop et vous aimez pas ça, juste euh, de la même couleur montée en stampin dimensionnel, ça fait vraiment un beau contraste et je peux vous faire penser aussi détamper votre vœu en blanc sur du carton noir, souvent ça vient ajouter un contraste alors quand on a l'impression que notre carte est trop à plat. Puis pourtant, tu sais, j'avais des embellissements en, en feutrine là, c'était pas juste du papier là. Souvent quand on je trouve ça un peu trop place parce qu'on manque, manque de contraste. Alors pensez tampez vos voeux avec euh, de la peau embossée blanche sur du noir. Truc de design, hyper facile. Un tout anti ça aussi, c'est un truc de design. Super facile. Une carte ABC avec un papier à motif A, un carton blanc, grandeur B, c'est fait. C'est hyper facile à faire. Ici, c'est avec un carton C. Alors, si vous coupez vos cartons à l'avance comme moi en technique ABC, c'est des cartes que j'ai fait avec ma technique ABC. Si vous connaissez pas ma technique ABC, vous pouvez aller sur YouTube chercher Nancy Gauthier technique ABC. Ça va vous donner euh, une quinzaine de vidéos où je vous montre comment je travaille cette technique-là. Ça ici, c'est le tour de mes feutrines. Alors, les feutrines elles arrivent dans des feuilles. C'est une grande feuille précoupée. Fait que j'ai popé toutes mes petites feutrines. Pis ça m'a fait cette grande feuille-là. Je trouvais ça bien le fun d'aller faire une carte. Puis, tu sais, si vous voulez ajouter juste de quoi différent une carte, là, Regardez, au lieu d'être complètement en avant, j'ai coupé une bande et j'ai mis mon papier à motif à l'intérieur. Au lieu de venir mettre mon papier à motif sur le dessus de ma carte, j'ai coupé le dessus de ma carte. Juste ça, là, ça vient créer quelque chose de différent pour vos cartes. Pas besoin de se casser la vie pour avoir, je dirais, quelque chose qui ressort bien sur nos cartes. Ensuite, à la page 11, il y a euh, le lot de papier à motif. Regardez, j'ai fait une carte à secouer. Alors, c'est la découpe qui est juste ici. Alors, j'ai plein de petits cœurs que je suis venue me couper. Alors, ça, c'est fait avec de l'adhésif euh, en bande, je dirais, épaisse. C'est vendu dans le catalogue. Ça fait des cartes à secouer. Super facile. Et une acétate, un papier fenêtré, ça vient faire la petite fenêtre. Ça, c'est une des cartes qu'il y avait dans mon cours. Euh, je pense, il y a quatre ou cinq mois. Alors, quand je vous donne des tutoriels, là, regardez, il y a des pliages originales, faciles à faire dans les tutoriels du mois. Alors, si vous avez un achat de 60 vous allez recevoir vos 12 tutoriels, votre classe créative gratuitement. Le papier à motif qui est en noir et blanc, là, gênez-vous pas de sortir votre médium préféré. Alors, ici, j'ai sorti des Stampin' Blends, mais ça pourrait être à l'aquarelle, ça pourrait être facile à reproduire à la maison. Regardez ici. C'est pas le même papier. En fait, c'est la même collection de papier à motifs, mais c'est pas le même. Lui ici, je suis venue prendre mes doigts camouflers avec de l'encre et je suis venue colorer mes images. Alors, un papier à motif noir et blanc, c'est hyper pratique. Parce qu'on peut venir lui donner euh, tout ce qu'on veut. Vous voyez les autres spéciaux ont à 50% et à 40 dans cette page-là. Ensuite, euh, je vais, je vais, je vais, je vais. À la page 15, j'ai. Un kit de cœur, celles qui font du scrapbooking, les filles. Ah, regardez, la même carte à secouer, mais pas le même papier matif. Alors, pour toutes celles qui font du scrapbooking, j'ai des cœurs partout sur mes pages. Enfin, j'ai pas été capable de trouver une page qui avait juste ces cœurs dessus. Alors, euh, mais vous savez, là, des découpes de cœurs, c'est hyper pratique pour le scrapbooking. Vous allez en voir, là, j'ai des pages qui s'en viennent, là. Vous allez voir, je les utilise vraiment souvent. Ensuite, il y a le low-colline d'Orstancia. J'ai fait cette semaine, vendredi dernier, dans la Stampin' Academy. Alors, mon cours, euh, à chaque semaine, c'est des pliages originaux ou des techniques d'étampage différents. Alors, j'ai fait une carte à double pochette. Vous avez les notes d'actylographie, autant en pouces qu'en centimètres pour la Stampin' Academy. Alors... Et pour celles qui l'ont fait le vendredi dernier, là, parfait, vous pouvez la faire comme vous voulez, mais qui l'ont vu et qui l'ont essayé depuis vendredi dernier, c'est vraiment une technique facile à faire et ça permet à plein de monde de signer dedans. Alors, le papier à motif est super beau et je viens simplement mettre mes petites étiquettes comme ça. Alors, s'il y en a qui veulent s'inscrire à la Stampin' Academy, il faut juste aller sur mon site web, carterieartisanale.com ou sur l'antigothier.com, vous allez arriver au même endroit et vous allez un onglet cours en ligne. Vous avez juste à cliquer sur s'inscrire. Et c'est un abonnement mensuel. Il y a plus de 220 vidéos que vous avez accès instantanément en vous inscrivant à la Stampin' Academy. Un autre projet qui ressemble à la Stampin' Academy, mais celle-là n'a pas été faite pour la Stampin' Academy. Euh, c'est un mini-album. Alors, quand vous avez des beaux papiers à motifs, simplement de les réunir comme ça en mini-album. Regardez, il y a des belles petites pochettes juste là. Alors, c'est un projet qui s'en vient pour la, la Stampin' Academy. Alors, vous avez des petits. Euh, des petits previews avant tout le monde. Ensuite, je glisse à la page 25. Je voulais vous montrer, je les, ne les montre pas assez souvent, les cartes et enveloppes. C'est format 4 par 6. Et le papier à motif est déjà dessus. Le papier à motif, je dirais jaune et blanc, là. C'est hyper pratique quand on n'a pas beaucoup de temps pour faire une carte. Regardez, j'ai ajouté un petit carré de papier à motif à un vœu. C'est sûr que sur les ailes. De ma libellule, il a fallu que je mette du Wink of Stella. J'ai toujours ça dans les mains. Et regardez les enveloppes, comment elles sont belles. Alors, tu sais, ils sont déjà décorés, il faudrait juste aller les adresser. Ils sont décorés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Regardez ici, j'ai juste étampé un vœu et venu coller une petite libellule. Là. Alors, si vous manquez de temps quand vous faites des cartes, que vous n'avez pas beaucoup de papier à la motif, que vous commencez en scrapbooking, Pensez à acheter ça à 6,75. Vous allez avoir, tu sais, déjà 20 cartes puis 20 enveloppes. Vous allez avoir les 40 morceaux pour 6 75. Ça fait vraiment une belle base. Euh, J'amène ça en camping. Je trouve ça facile de faire des pages. De des, euh, des cartes quand ma, ma carte est déjà démarrée, je dirais. Ensuite, j'ai page 29. La belle carte faite avec éclosion au pinceau. Alors, regardez la texture qu'il y a. Sur cette carte-là. C'est vraiment magnifique. Si vous avez une machine de coupe à la maison, ça vous prend cette découpe-là. Là, je suis en monochromatique, j'ai tout pris la même couleur, mais vous pouvez faire du plus foncé au plus pâle. C'est vraiment magnifique. Ça fait des beaux projets. J'ai fait quelques pages de scrapbooking, mais en fait, j'ai fait un mini-album avec. Je l'ai donné, c'était un cadeau. Alors, c'est pour ça que je, je l'ai pu pour vous le montrer. Mais j'avais fait plein de projets avec. Un autre kit que j'aime beaucoup, page 31, livraison, pensée vivace, je vous montre. Hein, toutes les petites fleurs qui entourent mon merci viennent de mon jeu. Voyez-vous, on appelle ça en deux étapes. Je suis venue tamper ça en vert. Puis après ça, je suis venue tamper ça en mauve. Alors, je n'ai rien coloré à la main, tout est fait avec des étampes, tout est agencé au papier à motif. Et c'est une carte que vous allez trouver. Sur mon YouTube. Alors, si vous allez sur YouTube que vous cherchez une antigoté scrapbooking, j'ai fait ça il y a deux semaines, je pense. Alors, je vous donne toutes les mesures comment faire la carte. Alors, c'est une carte qui s'ouvre comme des portes de grange et qui a une ceinture en vélin. Alors, vous allez trouver ça directement sur mon YouTube. Ensuite, j'ai des pages de parce que c'est vraiment des belles grosseurs de fleurs. Alors j'espère que vous pouvez bien voir la page que j'ai confectionnée. Alors j'ai simplement une petite pièce de papier à motif ici. Tout le reste c'est des fleurs que j'ai tampées à la main, je me suis simplement fait une combinaison de couleurs. J'en ai découpé pour venir donner de la texture. Pour en embarquer une paire de slots avec des petites découpes. Puis c'est tout. Le bonheur, il était ici dans mon jeu de temps. C'était facile. Alors c'est une page à scrapbooking hyper facile à faire. Je veux juste, ça vous étamper un peu un bouquet de fleurs. Ici, n'importe quel beau papier à motif. Je suis venue me faire deux bouquets de fleurs, ça fait une, une diagonale. Puis mon technique de la, de la tablette, celles qui ont vu ma vidéo la semaine passée, je vous explique comment faire une tablette en carterie. Ben vous avez la tablette ici en scrapbooking. Alors, celles qui ne savent pas de quoi je parle dans ma tablette, là, allez voir sur YouTube. Vous allez voir une vidéo qui s'appelle la tablette. Et euh, <laughs> j'y explique comment j'accote mes éléments sur ma tablette. Alors, c'est une page de scrapbooking qui utilise le principe de la tablette. Ensuite, page 37, une carte que moi, j'ai pas confectionnée. C'est une amie qui me l'a envoyée. Alors, avec le jeu de temps, Treasured Medallion. Alors, regardez la patience qu'elle a de venir découper le petit médaillon qui est ici. J'admire les gens qui ont une patience exceptionnelle comme ça. Ensuite, à la page 42, oh, le fameux flamant rose. J'ai juste une page de Scrambooking à vous montrer avec. Parce que je dois vous dire la vérité, c'est le kit de ma fille. Ma fille l'a tellement utilisée. Moi, je l'ai beaucoup moins utilisé qu'elle. Il, il tape vraiment dans l'œil des pré C'est mode. Ça ne fait pas trop fée-fille-bébé. Ça ne fait pas trop maman fleurie. Vraiment, là, ça a accroché l'œil de ma fille. Alors, c'est sûr que c'est ce que j'ai utilisé pour faire une page de Paris. Alors, quand on est allé en septembre 2019, on a bien hâte d'y retourner. Mon frère demeure à Paris. Alors, on a hâte d'aller voir mon frère. Ensuite, j'ai... Une carte qui vient du jeu des temples de page 46. Alors, euh, il s'appelle Shark Frenzy, mais tout le monde l'appelle Baby Shark. Là, parce que vous avez le tu do puis un I Love You, puis grand-papa, grand-maman et compagnie. Il est vraiment super le fun parce que vous pouvez faire un papa, vous pouvez faire une maman avec. Alors, vous avez juste à jouer avec vos requins. Si vous y mettez des petites lèvres, ça devient une maman. Si vous mettez une, une papillon ou une moustache, ça devient un papa. C'est vraiment le fun. Et vous pouvez. Alors, c'est un, un cours. J'avais donné pour montrer comment faire l'image réversible. Alors, vous allez apprendre plein de cours dans les classes virtuelles. Puis, c est, c est, les classes sont gratuites avec 60 d'achat. J'arrive à ah oui, carte et page de Scrapbooking. Page 49, les superbes papiers à motifs. Été des glaces. C'est une super belle collection. Je vous montre une page de Scrapbooking que je suis allée faire pour ma fille. Alors, c'est simplement les cornets que j'ai tempés ici et que j'ai coupés avec mes perforatrices pour me faire mon arrière-plan. Ça donne plus de texture que juste un papier à motif parce que dans le papier à motif, il y a des cornets. Mais tu sais, j'aurais pu prendre le papier à motif au complet, mais je trouvais ça bien le fun. Alors, une page de scrapbooking Et j'ai une carte de la Stampin' Academy quand je vous parlais là, des cartes au pillage vraiment original. Alors, ça se cache, ça sort. Vous avez toutes les grandeurs autant au pouce qu'en centimètres directement sur mon site web si vous cliquez Stampin' Academy dans cours en ligne. Vous allez pouvoir vous inscrire à l'abonnement mensuel. Ensuite, j'ai à la page 51 le jeu anniversaire au superlatif. Si vous aimez colorer. OK? Si vous êtes de celles qui aiment colorer, il est simplement magnifique. Alors voici une classe que j'ai fait en. Une carte que j'ai faite en classe virtuelle, hein, où je viens mettre une acétate pour qu'on puisse voir le vœu qui est à l'intérieur, qui son, qui est comme en ombragé, là. Hein, Voyez-vous, les deux couleurs pour faire son ombrage. Alors, toutes les découpes, je ne pas découper ça à la main. là. Le jeu d'étampes a des découpes qui sont à 20% de rabais. C'est bien le fun. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai une carte aussi de la Stampin' Academy. Je fais beaucoup de cartes pour la Stampin' Academy. Alors, regardez. Alors, c'est souvent des pliages originaux, des techniques d'étampage différentes que je viens faire dans la Stampin' Academy. Ensuite, ah ben oui, mes chères poules. Alors, salut poulet de la page 52. Alors, pas, en fait, ce pas lui, c'est un autre jeu de poulettes qu'on a dans le catalogue qui se retire bientôt. Celle qui était cliente avec moi il y a quelques années, le jeu des tempes avait été disponible dans Célébration et ont fait les découpes. Alors, si vous avez le jeu des tempes de poulettes de Célébration d'il y a quelques années, c'est le temps d'acheter les découpes qui vont avec avant qu'elles se retirent. Ensuite, j'ai des belles pages de scrapbooking avec le lot pli en chemin. Alors, oui, les filles, Février 2016. Pour toutes celles qui font pas de scrapbooking parce qu'ils sont en retard. Je ne sais pas pourquoi commencer à faire du scrapbooking aujourd'hui. Mon fils a 3 ans, je pourrais jamais rattraper le retard. Ma fille a 11 ans et demi et je suis toujours en train de rattraper du retard. Alors, euh, février 2016 était toujours pas fait. OK? J'avais imprimé mes photos, mais <laughs> c'était pas fait. Alors, c'est hyper rapide à faire avec le scrapbooking à pochette. J'ai rentré mes photos, j'ai mis un peu de papier à motif. Quand je vous disais que les cœurs, je les utilise tout le temps dans mon scrapbook, là, ben, ils sont là, mes cœurs, là. Alors, je voulais vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être à jour et parfaite pour vous mettre à faire du scrapbooking. Ah, ça, c'est une de mes amies qui m'a envoyé Cette carte-là, c'est Mireille. J'aime bien le kit de tempe avec le petit escargot. Ça fait amitié, tu sais, ça fait pas Saint-Valentin, gros camp, bia biao. là. Mais les vœux sont le fun pour l'amitié. Je la trouve vraiment super le fun. Alors, forte teneur en bonheur avec. Mon petit escargot que j'ai coloré, je le trouve bien fun. Et ça, c'est les cartes que Raphaël a fait. Alors, euh, c'est un autre. Je dirais c'est un autre vœu. Ça vient d'un autre kit de tente de vœux, mais le papier à motif il est ici. Euh, Raphaël a fait ça pour euh, la journée des enseignants. Alors, j'avais déjà coupé les cartons euh, 4 par 5 écarts, ce que moi j'appelle un carton A dans ma technique ABC. Et Raphaël a simplement fait une coupe virée de bord. Alors, ça fait une moitié en haut, une moitié en bas. Elle a tampée son vœu. Elle l'a découpé dans son étiquette. Alors, pas besoin de se compliquer la vie. Elle en a fait. Elle a 11 ans, là. Puis, elle doit en avoir fait à l'école. Il doit y avoir une vingtaine d'enseignants, là. C'est tout elle qu'ils avaient fait. Alors, euh, puis à l'intérieur, on avait écrit un petit mot. On avait donné à toutes, toutes, toutes les profs de l'école, pas juste le sien. Ensuite, ça, c'est un papier motif qu'on a de nouveau dans le catalogue, mais la fleur, je l'ai fait avec les découpes à moitié prix de la page 57. Il y a un jeu de découpes que ça vous prend dans le catalogue si vous aimez les fleurs. C'est bien celui de la page 57. Alors, regardez la dentelle que ça vient faire dans les fleurs. C'est. <coughs> Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Des joies du direct. D'habitude, je pèserai sur pause, puis je recommencerai à filmer dans une minute, mais là, j'ai vraiment un chat qui me chatouille. Alors, euh, notre amitié me rend heureuse. Vient du jeu des tempes. Alors, le jeu des tempes est traduit. Les découpes sont juste magnifiques. Et ça, c'est un kit de papier motif du nouveau catalogue. Vous qui était coeur. Hein? Et regardez. Ici, j'ai simplement fait du masquage pour venir faire une suite de fleurs. Juste J'ai coupé comme tout à l'heure. Hein, tu sais, quand je vous disais, vous pouvez couper une partie de votre papier, votre carte, pour venir mettre du papier dans le fond. Bah ben, tu au lieu de le faire dans le bas, je l'ai fait sur le côté. Ça vient vraiment ajouter une belle dynamique à la carte. Avec mon enveloppe. Ah, ah les fameux jolis papillons. Alors les découpes sont à moitié prix qui s'agencent avec les beaux papillons que vous avez ici. Ce papier motif là il est plus disponible. C'était un papier motif de célébration de promotion qui avait en janvier février. Euh, il va y avoir une autre promotion célébration un peu plus tard dans l'année mais ce ne sera pas les mêmes récompenses. Alors euh, Restez à l'affût. Inscrivez-vous à mon bulletin électronique. Si vous n'êtes pas, pas inscrit à mon bulletin électronique, à toutes les semaines, j'envoie un résumé des vidéos que j'ai fait. Alors, inscrivez-vous. Vous allez simplement sur mon site web, nantigautier.com. Vous allez voir, il y a un gros, un gros carré. Vous laissez votre adresse courriel, votre prénom, puis vous cliquez sur envoyer. Puis, ça va vous mettre au courant des vidéos que je fais. Alors, j'en ai fait une juste ici. Et là, les papillons se découpent individuellement. Je les ai utilisés sur ma page de Scrapbooking, juste ici. Alors, un petit cours de culture. Général pour mes enfants. Mes enfants ont pris, c'était qui? Lady Die quand on est allé au pont de l'Alma. Alors, parce qu'il y avait. C'est là qu'elle est décédée, puis encore des fleurs qui sont déposées là régulièrement. Alors, ça, tu sais, c'est fun. Faire du crambooking, c'est se rappeler de plein de choses en famille. J'ai des cartes que j'ai confectionnées avec le kit Souhait sous la vigne. Juste ici, alors ça, j'ai juste pris le jeu temps puis ici, j'ai découpé les petites fleurs parce que la découpe vient découper les petites fleurs, mais je voulais vous montrer la. Les trois belles découpes dans le kit, là. En enfin, fait, les quatre, c'est la belle étiquette que vous voyez juste ici. Mais regardez les trois dentelles. Comment c'est beau. Alors là, j'ai pris la dentelle en cercle. Mais une, une en rectangle puis une, une en ovale. Si vous n'avez pas une découpe de dentelle comme ça, c'est hyper pratique. Autant en carterie qu'en scrapbooking. Ça bouge des trous faciles. C'est vraiment le fun à utiliser dans vos projets de scrapbooking. Alors j'espère avoir pu vous inspirer. Si vous avez une commande à passer d'ici la fin du mois de juin, profitez des spéciaux jusqu'à 50% de rabais. Vous avez mon code hôtesse qui est juste ici si vous voulez recevoir les classes virtuelles du mois de juin. Alors dans la classe virtuelle, alors je peux déjà vous montrer la classe virtuelle du mois de juin, on travaille avec les félins. J'en ai, ai quelques-unes ici. Hein? Restez là les filles, restez-là. Alors, on travaille, attendez un peu, avec des choses du de nouveau catalogue dans la classe virtuelle du mois de juin. Alors, on travaille avec les félins. Alors, on vous donne plein, plein de trucs pour utiliser le lot des félins. Alors, comment le rendre masculin, comment le rendre féminin, comment l'utiliser en carterie, comment faire des pliages originaux. Il y a toujours des pliages originaux. Celles qui me connaissent, vous savez comment j'aime les pliages originaux. Ah, tiens, ça, c'est pas un félin, mais ça aussi, c'est un autre piège original qui vient de la semaine de la créativité. Si vous n'êtes pas inscrit à la semaine de la créativité, gênez-vous pas de venir euh, vous inscrire. Notre bingo est demain soir. Il est inclus avec votre inscription à 25 Alors, si vous allez sur mon site web, vous allez trouver euh, l'inscription pour euh, la semaine créative. Notre bingo est demain soir. Assurez-vous de vous inscrire avant demain soir. Vous allez avoir 10 vidéos exclusives, 20 défis créatifs sur notre groupe Facebook. Et ça, c'est ma classe du mois de juin. Si vous faites un achat de 60$ avec moi, vous allez pouvoir avoir la belle classe des trucs pour faire du scrapbooking temps en 12-12. Ah, J'avais du des, des, des Project Life, mais là, je ne le trouve pas. je, ah, je l'ai peut-être déjà mis dans mon album de, de vacances. Alors, un gros merci à celles qui sont joints avec moi pour le live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je ne vous surtout pas de me rejoindre. Juste ici en, en commentaire, sinon vous pouvez me rejoindre directement sur mon site web à nancygautier.com. Passez bah, une excellente semaine créative. On se revoit mercredi prochain à 11h et celles qui sont dans la semaine de la créativité. On se voit cet après-midi à 14h et celles qui sont dans la Stampin' Academy. On se voit vendredi. Au revoir!